Salut à tous les amis, c'est Dark Nexus Exo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui je fais un grand retour, désolé pour mon absence qui est très très long, ça je vous l'accorde, c'est très long. Déjà je vais expliquer sur quelques points des petites choses à propos de mon absence, mais en même temps je vais vous donner un petit gameplay sur Titanfall, parce qu'on peut dire que... Titanfall, il y a certaines personnes qui aiment bien, et bon, bah, je leur présente un peu quand même ma façon de jouer. Et en même temps, vous expliquer à peu près du renouveau sur la chaîne, et puis en même temps, mon grand retour. Et puis, vous expliquer un peu le topo de ce que je vais faire. Parce que je vais faire sûrement du renouveau sur la chaîne. Ça va être sûrement plus la même chose. Pourquoi je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Déjà on va commencer au niveau de la production de ma chaîne qui a grandement baissé en termes de vidéos, bien sûr, je vous parle. C'est que j'ai fait de moins en moins de vidéos à cause de certaines absences et autres absences du genre beaucoup plus compliquées. Problèmes familiaux, je vous le dis. Et puis il n'y a pas que ça non plus, mais... Excusez-moi, je suis un peu malade. C'est pas comme dans mon habitude. Ah oui, parce que bien sûr, je suis aussi absent à cause d'arrêt maladie, mais c'est pas le problème. Je voulais vous parler d'aussi que... vous voyez sur ma chaîne, du coup, que ça va être sûrement plus la même chose. Donc... en termes de reproduction de la chaîne en question, je dis que c'est du multigaming, mais ça va pas être forcément... Ah, je suis vraiment malade, ça me fait chier. Que ça va être du multigaming en tout genre. Ça se trouve, ça va changer. Tout simplement parce que il y a niveau problème de production, c'est que je n'ai plus les jeux nécessaires. Attendez. Vous remercie pour vos efforts. Attendez, je vais attendre. L'ennemi ne va pas comprendre sa douleur. Voilà. Donc je les ai mis tous en muet pour pas qu'on... qu'ils m'entendent. Et c'est pas un problème. Donc, bref. Je voulais vous parler à propos de mon projet. Au niveau de ma chaîne, qui va plus être la même chose. Donc, ça va plus être une chaîne de multigaming que tout le monde pense. Ça va être une chaîne tout à fait normale. Le multigaming, j'ai plus les jeux qu'il faut en question. Ça veut dire des jeux de simulation, des jeux de simple amusement, du combat. J'ai plus trop ces jeux-là. Et c'est plus trop intéressant de faire une chaîne multigaming si on n'a pas vraiment du multigaming. Il faut vraiment qu'il y ait n'importe quel jeu en tout genre. Et bien sûr, quand je dis jeu en tout genre, c'est bien sûr en termes de reproduction, bien sûr. Comment je pourrais vous expliquer ça sans problème? Ouais, c'est ça. Comment je pourrais vous expliquer ça sans trop me casser la tête? Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est que j'ai pas les jeux pour faire du multigaming, ça veut dire... Ah, je suis vraiment malade, désolé. J'essaie de faire mon mieux pour... Oh putain, lui m'a foutu un gros coup de poing, j'ai plus les réflexes. J'ai plus les jeux qu'il faut trop, donc du coup, c'est un peu mort au niveau du multigaming. Donc, je peux vous remplacer cette chaîne multigaming par une chaîne FPS. Oh putain, je suis mauvais là. J'ai plus de shoot. Voilà. Toi, voilà. Du coup, je voulais dire... Ah oui, donc j'ai plus les jeux nécessaires pour refaire. J'ai que des jeux d'FPS. Donc, ça va être du FPS. Et puis, c'est tout. Et puis, je pense que ce sera mieux comme ça pour le moment. Et je vais essayer de, quand même de trouver un moyen pour arranger les choses. Je ne remplace pas la chaîne définitivement tout de suite. C'est juste que je remplace la chaîne pendant un... Je vais dire un petit moment. Le temps d'essayer de trouver des jeux... bonne façon quoi, enfin de
de trouver des nouveaux jeux, parce que type FPS c'est un peu chiant de jouer à des jeux tout le temps FPS, surtout qu'il y a beaucoup de vidéos sur R6 que j'ai sorti, et ça c'est un peu chiant de sortir des jeux d'R6 sans trop se poser la question que s'il y a trop de FPS, bah les gens ils vont pas regarder, ils vont dire c'est plus une chaîne multigaming, et du coup ça casse le contenu bah de multigaming, hein, bien entendu, hein, si on n'a pas les jeux qu'il faut, c'est plus du multigaming, bah tant pis pour nous, et puis là, c'est mort quoi, donc mieux vaut déjà essayer de trouver, oula, de trouver les jeux qu'il faut, et après on en reparlera, mais là, comme j'ai pas les jeux qu'il faut, je ne peux pas dire que cette chaîne est une multigaming, donc c'est un peu chiant. Donc je pense que, j'ai bien dit je pense, je n'affirme pas, mais je pense que cette chaîne peut être remplacée par du chaîne seulement FPS. Je ne peux pas dire à 100% FPS, mais au moins par du FPS. Et il y a des choses que je voudrais dire aussi de nouveau, c'est que je suis intégré dans une team R6, qui est la Genesa Gaming, qui est une communauté bien sûr qui existe, hein, donc qui est plutôt géniale. Donc c'est une team qui est assez peu connue, mais qui est assez cool, et bien sûr quand je dis que c'est une chaîne peu enfin c'est une communauté plus connue, c'est, il y a pas beaucoup de monde qui y vont, on est, je crois qu'on est que 7 ou 6 membres, bon c'est pas le problème, mais c'est juste que c'est pas la même façon qu'on espérait, et du coup comme c'est pas la même façon, bah là du coup comme je suis intégré dans une chaîne FPS, bah c'est pas du tout la même chose, et là du coup ça change tout le la situation du groupe, hein. Donc ça veut dire que c'est plus une chaîne de multigaming, mais bien sûr une chaîne sûrement FPS, mais je ne dis pas que je la remplace, c'est juste que si je ne trouve pas de solution, je vais vraiment remplacer le nom, bah, le concept de la chaîne déjà. Donc ça sera plus forcément du multigaming, ça sera sûrement du FPS. Et puis là, par contre, là, ça sera vraiment du jeu Call of Duty, Titanfall, R6, hein, bien sûr, pour essayer de rentabiliser un peu la chaîne, parce que si c'est du multigaming, et tout le monde me dit c'est pas du multigaming, on retrouve que du FPS en général, et bah là, je vais essayer de faire effort à la chaîne, et au moins ça sera fait, quoi. Ah, putain. Bon, là, je vais essayer de m'échapper. Bon, là, je peux rien faire. Voilà. Toi, ta gueule. Toi, ta gueule. Merci. Hop, optimisation du noyau. Parfait. Qu'est-ce que je voulais continuer? Oui, bien sûr. Donc, il y a aussi tout ce qui est... Bah, ouais, quand je suis pas... qu'est-ce que je voulais dire? Bah, là, je suis perdu. Là. Ah, il est où? Bon, tant pis. Donc je disais quoi? Ah oui, donc si je remplace le concept de la chaîne, ça sera mieux pour vous et puis pour moi aussi, hein, parce que c'est faut, si je veux jouer à des jeux multigaming, faut que ça soit agréable et pas putain, m'énerve avec ces bombes. Hein. Il va s'en prendre une. Il y a combien de titans ennemis? Il y en a deux. Bon, à mon avis, il va être trouvé puis mort. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, je disais que ça va être plus agréable pour nous, et puis pour nous, oui. Et comme ça va être plus agréable, il y aura moins de difficultés de production. Je suis malade à crever, moi. Parce que j'essaie de vraiment faire des efforts pour trouver des jeux, quoi. Et puis si je trouve pas de jeu qui change un peu la production, bah là, c'est mort, donc... Donc mieux vaut trouver autre chose. Oh putain, je suis... Voilà. Ah! Voilà. Déjà, au moins, il m'arrêtera de m'embêter. Toi aussi. Ah bah merci Dion. Donc je disais quoi? Ah oui, donc là et là ça change tout, parce que si je change cette chaîne en une catégorie FPS, ce sera vraiment plus agréable en termes de production, et ce sera pas trop de une grande difficulté pour trouver des jeux, hein. Donc il y a beaucoup et énormément d'FPS qui se trouvent dans cette plateforme, hein. Donc
ce sera vraiment pas trop une grande difficulté pour en trouver, quoi. Donc voilà, ça c'était au niveau de la chaîne. Maintenant, je vais vous parler de la team que j'ai recrutée. La Genesia Gaming. Putain, j'ai mal. Sérieux, j'ai mal. Qui est donc cette chaîne en termes de concept? Hop, oh, verrouillage. Ah! Bon, je mets. Vas-y, éjection, bah les couilles. Ronin, tu fais chier. Voilà, t'es touché, il m'en bat les couilles. Putain, j'ai perdu mon arc, ça me fait chier. Donc, je voulais dire, ah oui, donc. Bah là, je me rappelle plus trop. Je me rappelle plus ce que je voulais dire. Ah, putain, lui, il m'a bu. Tu t'es pris ma balle de snipe, dommage pour toi. Que t'es pas pu esquiver le coup. Ah, lui, par contre, il va venir. Et. Ah, oh, dommage que c'est pour si peu. Oh putain, les. Ah, tant pis. Hop. Donc oui, la Genesia Gaming qui est une chaîne, non pas une chaîne mais une communauté pardon, sur R6 qui comporte 6 membres au total. Mon chef qui est un youtubeur. Donc bien sûr je fais une petite dédicace à lui. Donc lui sur sa chaîne il fait vraiment que du R6, 100% R6 comme bah nous hein. Bon, petite dédicace à lui, mais c'est pas celui-là que je vais viser le plus, même si Banu est un très bon joueur pour moi. Donc je disais que mon chef faisait vraiment du 100% R6 et je le connais assez bien. Donc j'ai été, donc il y avait aussi à cause de ça pour mes moments d'absence, c'est que j'ai passé des tests et bien sûr ça a un peu gâché entre guillemets. Les termes de production aussi, ça m'a ralenti. Oh, ça m'énerve, je suis malade à crever, j'arrive plus à parler, ça me saoule. Alors bien sûr, hein, ça va pas être trop une difficulté, là non plus. Vas-y. Hop là, esquive. Missile. Voilà. J'en suis où moi déjà? Ah oui. Donc le chef que je connais assez bien, c'est pour ça à cause de mes moments d'absence, j'ai passé des tests sur R6 et du coup en fait ça m'a permis de montrer mes capacités et j'ai été admis dans cette team qui est maintenant mon nouveau compte, je l'ai fait, qui est Genesia Darknex. Et du coup je m'entends super bien avec eux. Mais en ce moment il y a des petits problèmes dans leur team, donc je pense que je vais régler ça avec eux, avec tout le monde. Je ne sais pas quand, ça j'en sais rien. Ça, ouais, ça par contre, j'en sais rien quand je vais régler ça avec eux. On verra bien où sont cours du temps et je pense que là, ça sera bon pour moi, quoi. Ah, je suis vraiment malade. Et qu'est-ce que je voulais parler aussi en termes de la chaîne aussi. Qu'est-ce que je voulais vous parler du coup. Ah oui, et pour le retour, je pense que je pourrais faire... sûrement en termes de catégorie, je sais pas trop de quoi je pourrais faire. Si j'arrive à avoir des nouveaux jeux ou de ce genre de choses, je pourrais aussi vous montrer des vidéos sur Call of Duty Modern Warfare 3, mais c'est un peu impossible pour moi, j'ai pas le matériel qu'il me faut. Mais je pense que ça viendra un jour, je pense, donc ça arrivera, je pense. Quand, j'en sais pas, mais je pense que ça arrivera un jour et ça devrait plus tarder. Hein, donc, ça arrivera rapidement, c'est sûr, mais quand, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas quand ça arrivera, mais je sais qu'il y aura du nouveau contenu sur ma chaîne, du coup. Donc voilà, donc cette vidéo était au sujet de mon retour, du changement du concept et puis de ma nouvelle team, quoi. Excuse-moi, mais je suis extrêmement malade. J'ai attrapé la crème.
Et aussi que, bah, et puis je m'excuse pour ces moments d'absence, hein, de ces 5 jours, hein, plus de mon absence à cause de mes tests sur R6. Donc, bah, j'espère, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dois rester une chaîne multi-gaming ou devenir une chaîne FPS, entièrement FPS, c'est-à-dire que basée sur le jeu de tir, et pas sur les simulations ou les jeux d'aventure, ce genre de choses. Ou les jeux de combat, bien sûr. Mais c'est à vous de voir si, si je dois transformer cette chaîne en chaîne FPS ou en chaîne multigaming. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et partagez cette vidéo à tous vos amis, ceci me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gens. Allez, salut. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Et abonne-toi à ma chaîne et n'hésite pas à regarder dans la description de ma chaîne pour avoir un paquet d'informations. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao les gens!